Une question, si on est aussi en Matthieu 10, c'est le verset 14. Donc, je me suis toujours posé la question sur ce verset qui dit, mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, se pourrait en partant de cette prison ou cette ville la poussière de vos pieds. Et bon, et le verset 15 qui dit, je vous dis en vérité, que ceux du pays de Sodome et de Gomorrhe seront traités moins rigoureusement au jour du jugement de cette ville, de cette ville-là. Alors, ma question serait, qu'est-ce que ça signifie exactement le verset 14, se couvrir la poussière de vos pieds? Ok. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 4. 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Verset 9. Qu'une veuve, pour être enregistrée sur le wall, n'est pas moins de 70 ans qu'elle ait. 60 ans. De 60 ans qu'elle a été la femme d'un seul mari, ayant le témoignage d'avoir offert de bonnes œuvres, comme d'avoir bien élevé ses pauvres enfants, d'avoir exercé l'hospitalité envers les étrangers, d'avoir lavé les pieds des saints, d'avoir secouru les affligés, ainsi constamment appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Ok, donc laver, le lavage des pieds, c'est ce que je voulais entendre. Et donc je vais lire deux autres passages rapidement en rapport avec ce passage-là, notamment ta question, dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1er, puis Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de sa terre, pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes parurent devant lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Mon Seigneur, je te prie, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, arrête-toi chez ton serviteur. Qu'on prenne, je vous en prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous un arbre. Lavez-vous les pieds. » Nous sommes dans Genèse chapitre 19, à partir du verset 1er. « Or, sur le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. » Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosterna la face contre terre, et leur dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, puis vous vous leverez dès le matin, et continuerez votre chemin. » Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on voit que chez les Orientaux, hein, en fait, la coutume orientale, une des coutumes orientales voulait que quand on recevait un étranger, la première chose qu'on devait lui offrir, c'est de l'eau pour se laver les pieds. C'était un signe d'hospitalité. Comme quand vous allez en Côte d'Ivoire, pour vous souhaiter la bienvenue, ce qu'ils appellent la kwaba, on vous fait boire dans une même coupe, hein. Donc même si vous êtes une centaine, tout le monde doit boire dedans. Que vous soyez malade ou pas, vous devez boire maintenant. Voilà. Je me rappelle une fois, je suis allé à la mission là-bas, en fait, il y avait une cinquantaine de personnes dans un petit village. On m'a fait boire là-dedans, et là, je bois. Tu vas frustrer les gens. Alors, j'étais obligé de boire. Bon, voilà. Chaque fois, c'est coutume. Donc, chez les Orientaux, c'était ça. Donc, parce que les gens marchaient
tout le temps, contrairement à aujourd'hui. Voilà, il n'y avait pas de moyens de transport comme c'est le cas aujourd'hui, à part les chevaux, les ânes, tout ça. Mais sinon, ils marchaient beaucoup. Ils n'avaient pas les mêmes chaussures que nous, ils avaient beaucoup plus de sandales, tout ça. Et les pieds se salissaient facilement. Donc c'est pour ça qu'il fallait les soigner. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur a fait justement avec les apôtres. Donc, ceux qui n'étaient pas reçus quelque part, ils secouaient la poussière de leurs pieds et ils s'en allaient. C'est un signe de malédiction, de jugement en même temps. Voilà, voilà pourquoi le Seigneur dit, si vous êtes dans une maison, que cette maison en est digne, que votre paix lui soit accordée, elle lui revienne. Et sinon, si elle ne vous reçoit pas, secouez la poussière qui s'est attachée à vos pieds. Voilà.